Bonjour à vous tous, aujourd'hui un nouveau tuto concernant ma Toyota 26-2 de 2004. Donc le souci c'est que, bon, il n'y a pas vraiment un souci, mais ce qu'il y a c'est que je vais démonter le pare-choc arrière. Pourquoi? Est-ce qu'au contrôle technique on m'a dit que j'avais la traverse dans le pare-choc qui était tordue? Effectivement elle est tordue, donc je vais essayer de la redresser. Donc pour pouvoir la redresser, il va falloir tomber le pare-choc, donc comme ça permettra de vous montrer aussi comment on démonte un pare-choc là-dessus. Donc pour commencer, j'ai dégrafé le joint d'ici. Ensuite on va trouver donc sous le véhicule des j'appelle ça à l'avant, ici on va trouver une vis. Il y a une petite vis de 10 là juste près de la roue. Ensuite on va trouver des rivets, je sais plus où, des rivets en plastique comme ici, ouais, là pareil à l'opposé, exactement la même chose à l'opposé. Donc là, je suppose qu'en partie haute, comme sur le pare-choc avant, il doit y avoir une... Il va falloir que je dégrafe le passage de roue. Mais il doit y avoir, une vis à ce niveau-là. Donc on va regarder ça des deux côtés. Ensuite, ici, comme on peut voir, là, je vais essayer d'enlever cette partie plastique, parce que je pense qu'il doit y avoir une vis en plein milieu. Donc on va dégager ça. Comme on peut voir, avec un tournevis, vous le faites descendre. Une vis de 10. Pareil, exactement pareil de l'autre côté, à l'opposé. Donc on va voir ça maintenant. Donc là on va desserrer. Je suis en desserre ou en serrage? Là, forcément si je me mets en mode serrage, je ne vais pas le faire. Voilà. Est-ce que ça sert à quelque chose? On va dégager déjà ça, on verra après. On fait pareil de l'autre côté. Voilà, ça c'est parti. Après ça doit se dégrafer, je suppose. Attendez, je reviens. Donc ça vient tout seul. Une fois que vous virez ça, vous levez le tapis. Parce que vous voyez, c'est emprisonné par ce truc là, le petit renvoi. Après vous soulevez, ça dégage. Ensuite, ici, là, on peut constater que là, regardez. Je ne sais pas si vous voyez dans le trou. Ça a l'air d'être du 10, mais il va falloir c'est un écrou long, une douille longue, il va falloir. Pareil de l'autre côté, à l'opposé. C'est ce qui tient votre pare-choc apparemment. Donc c'est parti, une douille longue. Donc là c'est parti, on va faire là. J'ai déjà fait d'un côté, donc on va faire de l'autre. Là ici, regardez, je me suis aperçu d'une chose. Il n'y aura peut-être pas besoin de mettre la voiture en l'air. Regardez. Ah non, tiens, lui. D'autre côté, ils ont foutu une vis carrément en travers à cet endroit-là. C'est qu'à mon avis, il doit y avoir une patte de pété. Je pense que ça a dû la déglinguer quand il a reculé. Donc on va défaire là, à cet endroit-là, on va bien voir. Il manque des agrafes, donc comme on peut voir ici. Il y a un truc qui a été perdu. Donc le but du jeu c'est de retirer, vous voyez, comme ça. Prenez de chaque côté, vous faites gaffe de ne pas le mettre en porte-à-faux, sinon ça risque de casser. Puis c'est fragile, un coup d'un côté. Le but du jeu c'est de sortir droit. Une fois que le champignon il sera barré, du moins le téton sera sorti, il y a tout l'ensemble qui viendra. Je vous montrerai. Donc voilà, donc je vous dégrafe aussi ici. Parce que je me dis aussi c'est bizarre, ça se décroche pas, ça se décroche que d'ici. Et là j'ai l'impression qu'il y a un point d'attache. Effectivement, ici vous dégagez, vous voyez, il y a un petit crochet avec une vis de torx, une vis cruciforme, donc j'ai dégagé, j'ai déclipsé, donc j'ai soulevé un peu le tapis pour déclipser, et on peut s'apercevoir qu'ici, regardez, sur le côté, pareil, il y a un écrou de 10, il va falloir le chercher. Ah non, j'ai des conneries, c'est peut-être le phare ça. Ah, attendez. Ça me paraît... Attends, je vais essayer, je reviens vers vous. Donc ça y est, j'ai réussi. Donc ici, en gros, il faut dégrafer. Tac, vous appuyez, vous retirez légèrement. Ici, je me suis aperçu qu'il tenait encore par là. Donc vous voyez, il y a une attache. Donc j'ai tombé le feu, parce que le feu, regardez comme vous pouvez voir ici. Vous voyez, on ne peut pas y accéder. Donc il faut le tomber. Donc c'est du 10.
Donc vous avez ici une vis hein, de l'intérieur, une autre vis là, voilà, une troisième. Ensuite, je vais vous montrer sur l'autre comment faire, c'est tout con. Mais avant que je comprenne comment il faut enlever ce truc là, il faut enlever un... Regardez. Il faut enlever une partie comme ça, vous y allez avec une pince et vous tirez, en gros, à rentre dedans. Et c'est ça qui vous la bloque sur la platine, tout simplement. Là, c'est parti, on va faire l'autre côté. Donc, vous voyez, donc là, les trois vis, hein, bon, je viens de remettre les écrous dessus, pour éviter de les perdre. Tout simplement, un là, l'autre en bas, et l'autre là. Il faut une douille longue, ou autrement, vous prenez du 10 à œil ou à plat, ça devrait le faire. Ensuite, ici, comme je vous disais, là, regardez en bas, là. Pour enlever le débranché, de tirer. En gros, vous tirez vers la gauche. J'ai oublié de poser l'appareil photo si on met tout qui va tomber, parce que je tiens la lampe, je tiens tout dans les mains. Donc dans le cas où vous voulez démonter votre platine, c'est très simple. Je vais vous montrer, regardez. Ici, vous avez un, comment dire, deux trucs en plastique. Vous le poussez à l'opposé, tout vers l'intérieur. Et vous tirez sur votre platine et elle vient tout seul. Donc voilà, c'est tout. Et après, bah, vous le remontez hein, tout simplement. Jusqu'au clip. Voilà. Et là, c'est remis. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, je vais appuyer là, à l'aide du tournevis. Et en jouant avec le pare-choc, je vais le sortir de cette partie-là. Vous allez voir. C'est très très simple. Voilà. Voilà. Donc faut jouer avec le côté, vous allez voir, tout va. Bon, vous avez vu les amis, regardez, l'état de la traverse, elle a vraiment pris un coup dans la... Il a dû reculer en quelque chose, ça l'a un peu éclaté. Donc on va essayer de... Déjà en tapant dessus, je pense que je vais essayer de le redresser, on va bien voir. Et je pense que je vais peut-être le démonter carrément, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Donc là je suis en train de démonter la traverse, donc vous avez deux vis ici. Il y a encore deux là, pareil ici et ici, donc il y a 2, 4, il y a 8 vis, donc là il me reste 2 à défaire, donc c'est du 12, voilà, bon je vais la retenir et après je vais essayer de redresser tout ça. Coincé donc la traverse dans le, qu'on appelle ça, dans la presse à roulement, vous voyez, pour bien la bloquer. J'ai laissé un peu de déport plus par là, de façon à essayer de le travailler un peu en flexion. Ici, j'ai mis des grands coups de masse sur le côté pour essayer de le redresser, pour rentrer bah, ce qui était déformé, pour que ce soit plus facile après à travailler, tout simplement. Donc là, ce que je peux voir, c'est que ça a bougé un petit peu quand même. On peut voir que c'est un peu moins creusé. Donc on va continuer, donc j'y vais à la masse, donc vous voyez, j'y vais comme des trucs en bois, et j'y vais carrément à la masse dessus.
essayer de chauffer pour que ce soit plus facile. Essayer de plier, mais bon. Ça va pas être évident. On va voir ça à la masse maintenant, on va essayer. C'est pas évident, on voit que ça commence à prendre un peu de forme. Regardez, c'est un petit peu diminué quand même. C'est un peu moins creusé, comme on peut voir. Et surtout, j'essaye de leur donner une forme. Ben, la forme par en dessous. Par en dessous, il faut qu'elle ait la forme un peu incurvée et puis elle est bien droite. Donc là, ça va déjà un peu mieux, mais bon, on va continuer. Donc là, j'ai remonté la traverse, donc je vais pas aller beaucoup plus loin parce que je sens que le métal il commence à travailler. Donc j'ai pas envie de le fragiliser, donc on va s'arrêter là. Donc j'ai réussi quand même à le redresser un petit peu, c'est mieux que ce que c'était. Donc le mieux c'est de le changer carrément, quoi. Mais on le voit beaucoup moins prononcé entre, regardez, intérieur. Donc c'est quand même beaucoup mieux, quoi. Donc là on va remonter tout ce qui est remonté. Ici par contre il faut que je regarde parce que j'ai une entrée d'eau. Je ne sais pas par où, donc dedans, à l'intérieur du coffre, à l'intérieur, il y a pas mal de flotte. Donc il y a un petit bouchon que je vais enlever. Et par contre, je vais le démonter et je vais regarder le joint comment il est, s'il est bien mis. Tant que tout est démonté, autant regarder, quoi. Donc la surprise, c'est que je me suis retrouvé avec de la flotte là-dedans. Regardez l'état, il y a que c'est rouillé. Vous voyez, c'est pas terrible ça. Donc il va falloir que je fasse quelque chose, quoi, je ne sais pas, mettre peut-être un stop rouille déjà pour commencer. Et surtout regarder d'où que ça rentre, par où c'est rentré. Est-ce que c'est rentré par le feu, je ne sais pas, à surveiller. Donc là ce que je peux voir c'est que le joint il est nickel, hein, il n'est pas abîmé, donc on va pas le remonter. Donc là vous remettez votre clips avec qu'on appelle ça la prise, tout simplement. Vous voyez, ça rentre pile poil dans les gorges, ça se clipse, il n'y a pas de souci. Là par contre, j'ai oublié de faire un truc, vous voyez, le joint est dégueulasse. Donc pour être sûr qu'il n'y ait pas de rentrée d'eau, on va bien nettoyer tout le portage. Ensuite, vous remettez, donc j'ai tout reclipsé, donc on peut voir, j'ai remis le joint jusqu'ici pour l'instant. Là, je vais remettre les petits crochets, un de chaque côté. Ensuite, il y aura la plaque à remettre, celle-là, hein. Donc ça y est, j'ai tout remis, la plage arrière, l'intérieur, le joint qui est un peu chiant à remettre, mais autrement, dans l'ensemble, ça l'a fait quand même. Donc là, j'ai quasiment fini, il me reste maintenant 2-3 et les vis du bas. Et puis, j'ai 2 vis, 4 clips à remettre, et puis ce sera bon. Donc ça y est, terminé pour le tuto concernant donc le démontage du pare-choc et donc je verrai plus tard donc pour changer ma traverse. Donc en espérant que ce tuto sur le démontage du pare-choc vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas et puis je vous dis à très bientôt.